D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout sera bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc sur Clash Royale. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tranquille. D'ailleurs, pour le concours, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à participer. À liker pour participer, pardon, et à commenter la vidéo et à partager cette vidéo pour une carte iTunes ou Play Store de 10€. Donc là, j'ai demandé une légendaire. J'ai demandé une légendaire, enfin une princesse, j'attends la réponse. Donc là on va juste récupérer l'or, on va juste récupérer vu qu'on est dimanche, la carte épique, un rage, ok. On m'a donné un électro-dragon, parce que j'ai demandé ça à l'instant. Je peux le passer au niveau suivant, mais bon je pense qu'on va pas le passer, oh quoique 2000 ça va. Donc voilà, niveau 8. Et sinon le reste, ok, rien de spécial. Petit coffre en or que je vais ouvrir, garde clan, on est où? On est 3ème. Ok, il reste 6 attaques, bon, on verra. 3ème pour l'instant. Donc là, petit coffre en or, boule de feu, ok. Et on va attaquer en 2v2, enfin on va attaquer normal, je vais dire en 2v2, mais on va attaquer normal. Donc c'est parti. Contre un chinois ou un coréen ou un japonais, j'en sais rien. Mais c'est parti. Donc, alors, niveau 12, mettre la princesse. PK, moi qu'est-ce que... Je vais mettre les barbares face au PK, mais j'attends d'avoir de l'élixir en fait. J'attends d'avoir de l'élixir donc... Oh, nickel. Hop là. Oh mince. Mince. Je vais mettre les gobelins pile au milieu comme ça il serait attiré par la tour du roi. Je pensais qu'il allait être attiré par la tour du roi, en fait pas du tout. Et du coup là c'est un peu chaud quoi. C'est un peu chaud. En plus le canon je l'ai mal positionné pour défendre bien. Bon là le géant va pas faire beaucoup de dégâts mais bon, c'est dommage quand même. C'est dommage. Donc j'ai fait un petit peu de dégâts sur la tour du roi. C'est vrai qu'elle est quand même à 3400 donc on peut tenter pourquoi pas la tour du roi. Faut voir. Ok, petite Valkyrie qui est bien positionnée et qui va détruire tous mes barbares. Donc là on met le petit géant. Yes. J'ai cru que le bébé dragon n'allait pas être attiré en fait, c'est parfait. Donc là, bah tranquille. Hein. Écoutez. Ok, ça joue PK. J'espère qu'il n'a pas les flèches. J'ai jamais mis la horde de gaffe. Enfin si j'ai mis. Oui j'ai mis la princesse, mais pas la horde. Oh, ok, il a les flèches. Il a les flèches, donc là c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et 8 secondes. Alors hop, yes. Donc là le géant va tomber, j'espère. Voilà, et le PK aussi. Bon nickel, là c'est bonne défense. Maintenant il me reste plus qu'à faire un géant ballon ici. Et donc il a dit l'élixir hein, parce que pour jouer PK il a l'élixir. Ouais par contre là j'aurais pas dû. Yes. Hop. C'est chaud là. Yes. Je me concentre parce que là il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Et il reste 1000 points de vie sur la tour du roi donc 742 points de vie. Reste 280 points de vie, 49, c'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné, on met les flèches. C'est serré quand même, cette game, serré. 4982 trophées, assez serré.
Donc là, petit coffre en argent. D'ailleurs, j'ai plus de place après, mais ça me fait un petit peu à venir. Coffre 5075, j'aurai un petit coffre après. Donc là, on part attaquer, deuxième attaque, c'est parti. Bon, montant trophée, parce que là, au niveau du clan, j'ai fait mon attaque. Au niveau des coffres, tout est bon. Le défi, il y a un prochain défi, mais c'est le demain, je crois. Enfin, il reste quelques heures. Et donc, c'est demain. Demain matin, exactement, je pense. Donc là, on met les barbares. Donc là, mes barbares d'aller niveau 13. On va mettre. Je peux tenter le géant. Faut être sûr après de. Ouais, je vais mettre le géant ici. Non, je l'ai mis un peu trop. Ouais, je l'ai mis un petit peu trop. En fait, ça va. En fait, ça va. Nickel. Nickel pour l'instant, est-ce qu'il met les gargouilles, est-ce qu'il met les quelque chose? Ah, nickel, voilà. Enfin, j'ai dit nickel, en fait pas du tout, parce que le temps d'envoyer les flèches, ils ont déjà tué mon géant. Les petits squelettes. Alors, on va mettre la princesse ici. Je mets géant en bas à la droite, mais bon, c'est un petit peu chaud de faire ça, parce que s'il met les barbares d'élite à gauche, par exemple. Ça devient difficile. Voilà, il les a mis à droite, donc normalement il n'y a pas trop de soucis. Enfin quoi que il y a si quand même, parce que là, voilà, je sais pas quoi faire. Oh nickel. J'ai cru qu'il allait mettre le zap. En fait pas du tout. Ben du coup parfait. Parfait, parce que là du coup ça fait 1-0 pour l'instant. Et on est plutôt bien parti, donc parfait. Ouais. Par contre là, ça je m'attendais le petit zap sur le canon. Par contre, c'est bizarre qu'il n'ait pas mis le zap sur les gobelins. Mais bon, tant mieux. Hein. Tant mieux comme ça. Pas de soucis. Et par contre, ma tour est bien descendue à gauche. J'avais pas remarqué, mais ma tour est bien descendue à gauche. Et du coup, c'est un peu dommage. Là, il pourrait mettre le zap aussi, je pense qu'il va le mettre. Non, même pas. Même pas. On va mettre le géant. On va mettre la princesse. Allez, 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 tuez-moi ces barbares d'élite. Tuez-moi ces barbares d'élite qui sont là. Secondes, je pense que c'est bon. On met la princesse au cas où pour défendre un petit peu, mais voilà, c'est bon, nickel. 1-0, c'était chaud là. Donc 29 trophées, une couronne en plus. Là, je vais pas pouvoir ouvrir de coffre, mais j'aurai 1000 d'or quand même. 1000 d'or et 20 points de quête. Donc là, prochain coffre, c'est un coffre magique. Donc là, j'ai ce petit défi, enfin, cette petite quête que je n'ai pas encore fini. Il faudra que je le fasse. Il faut que j'utilise 10 fois le pêcheur. Il faut que j'utilise 10 fois le pêcheur et c'est bon. Donc pourquoi pas le faire. J'aurais bien voulu te donner une carte contre une princesse, mais tu l'as pas. Tu n'as pas, tu n'as pas. Ah, je peux même échanger, c'est vrai que je peux même échanger des épis, quoi. Je pourrais échanger, demander plus 10. Ajouter, 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 ajouter. Je demande épis, j'ai même. Ah non, je peux pas demander. Ah, je peux demander des rares. Au niveau des rares, qu'est-ce qu'on peut demander qui est très intéressant? Je demanderais pourquoi pas le géant, tiens. Le géant. Hop. Et hop. C'est bon. Voilà, nickel. Comme ça me fait 10 ballons et 50 géants. Donc je sais pas comment on fait pour les augmenter d'ailleurs. Ah d'accord, les niveaux étoilés, ça a augmenté au niveau 13. Donc il faut que je sois au niveau 13. Donc il me manque un peu moins de 20 000 XP et je pourrais. Les augmenter. Donc voilà, prochain tournoi, enfin on a un prochain défi, donc c'est le tournoi de la nouvelle saison. Et donc gratuit. Ça je comprends pas trop en fait. Pour débloquer, on est obligé d'avoir récompense exclusive du top 50. 5000 d'or. Waouh. En fait, on est obligé d'avoir de dépenser 500 gemmes pour les débloquer, j'ai l'impression. C'est tout ça là en fait. Récompense, bonus.
Donc voilà, ça commence dans 20h, donc du coup ça commence demain, donc lundi. Et voilà, donc là au niveau du coffre, on en a dans 4 couronnes, on a le prochain coffre. Et on peut débloquer pour l'instant jusqu'au 9e coffre. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à participer bien sûr au concours, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao!